terminée. La partie inférieure se compose d'un palier de machine à laver que j'ai récupéré, dans lequel j'ai emmanché un bout de bois en force qui remplace donc l'axe de rotation, ce qui m'a permis de le fixer sur le plateau à l'aide d'une vis. La partie supérieure, j'ai donc fixé 5 petites roulettes après de savants calculs pour les positionner. Voilà, petites roulettes. Et j'ai fait un logement pour recevoir le palier. Voilà, et j'ai également fait 4 petites encoches. C'est pour permettre la rotation du plateau une fois qu'il sera chargé. Quelques conseils quand même. Donc lors du démontage, c'est de bien faire attention au positionnement et à l'ordre des cerceaux. Je pense que c'est assez important. Le fût est également celui que j'ai utilisé un peu petit, 74 cm, qui c'est un peu juste. Il aurait fallu peut-être 10-20 cm de plus. Et le dernier point qui est assez important, c'est la charnière. Donc la charnière, je pense que deux charnières plutôt qu'une, c'est meilleur. Maintenant, c'est beaucoup plus compliqué à réaliser. En tout cas, si vous faites comme moi, que vous privilégiez qu'une seule charnière, prenez quelque chose d'assez solide, de bien rigide, pour maintenir la porte qui est quand même assez lourde. Voilà, l'ensemble est fini, installé. À boire avec modération, bien sûr. Par contre, ne pas voir avec modération. Le plateau tournant. Donc, avec les petites encoches qui peuvent aider à la rotation. Mais pas forcément utile. Les verres. Et voilà. Et le bouchon que j'ai mis, un bout de bois. Bonne réalisation!